l'équipe Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser une tarte aux pommes sans pâte. Parce que oui, on peut avoir envie de réaliser une tarte aux pommes et qu'on n'a pas de pâte brisée, de pâte feuilletée à la maison. Ou on n'a pas envie de la faire aussi. Donc pour ce faire, j'ai mis 3 œufs entiers dans un saladier. À mes œufs, je vais venir ajouter 130 g de sucre. Et on va venir les blanchir. Et voilà, au batteur électrique, c'est très très rapide, ça prend une petite minute, mais vous pourriez très bien le réaliser au fouet. On veut que nos œufs soient bien montés et blanchis, tout simplement. À notre mélange œuf-sucre, on va venir ajouter une cuillère à soupe de vanille. On va ajouter 130 g de farine. Ici, moi, c'est de la farine T55. On vient ajouter 25 g de beurre fondu. Et il ne reste plus qu'à ajouter 400 g de lait. Ici, c'est du lait demi-écrémé. Et on va venir l'ajouter à notre préparation. Je suis venue prendre un moule à tarte. Mon moule à tarte fait 33 cm. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question, il fait 33 cm. Je l'ai beurré et je suis venue y mettre 5 pommes. Et on va venir tout simplement couler notre appareil sur nos pommes délicatement pour éviter qu'elles ne bougent. Voilà. Part pour la cuisson, donc 180 degrés, 40 minutes, et on se retrouve une fois qu'elle est cuite. Et voilà, on se retrouve. Ma tarte a passé une bonne heure, oui, un peu plus d'une heure au frigo. Elle est bien froide. J'en ai coupé une part, regardez, c'est super joli. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.